souvent vous manquez de formation et vous manquez d'information. Alors évidemment, ça, pour un parti, c'est mortel. Donc nous allons y veiller. Nous allons mettre en place une nouvelle gouvernance. Une nouvelle gouvernance. Ça, au niveau du conseil régional, je vais impliquer de plus en plus les militants à la base. Au sein de mon conseil, je tiens compte des réalités. Au plan politique, j'ai responsabilisé les secrétaires départementaux. Il n'y a pas eu encore d'élection, donc tant qu'il n'y a pas eu d'élection, ils conservent bien sûr leur poste, avec les conséquences qui en découlent, bien sûr. Mais nous sommes dans le mouvement. Donc à vous de vous organiser. Si vous êtes organisé, c'est vous qui décidez. Le parti est à votre écoute. Mais organisez-vous dans la commune, dans la sous-préfecture. Organisez-vous. Moi, je suis à votre disposition. Mais je vous prie de croire que si hier vous avez été des orphelins, je ne sais pas pour quelle raison, mais à partir d'aujourd'hui, je pense que vous ne serez pas les orphelins. Mais ce que je veux vous dire, vous-même, apprenez à vous respecter vous-même. Le président Houphouët nous a enseigné que si vous voulez qu'on adore votre fétiche, commencez par l'adorer vous-même. Alors, vous-même, il faut vous prendre au sérieux. Et c'est comme ça qu'on vous prendra au sérieux. Mais ne vous en faites pas. Je tiens à vous féliciter. Je tiens à vous remercier. Travaillons dans la vérité pour le parti. Laissez demain ceux qui écriront l'histoire. Ils écriront ce qu'ils veulent. Mais nous, là, mettons-nous au travail. C'est tout ce que je vous demande. Aujourd'hui, pour nous, c'est une satisfaction de rencontrer le premier responsable du parti dans le Lot d'Ivoire. Chose que nous avons souhaitée depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, nous sortons de là, tout satisfaits, parce que nous avons appris beaucoup de lui et nous avons compris beaucoup de choses. Donc, nous nous mettons à son entière disposition pour l'accompagner pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour notre région. Nous sommes vraiment satisfaits. C'est une satisfaction pour nous aujourd'hui, secrétaire de section.